Donc moi ici, sur la maison d'Annette Lévy, ça fait à peu près 2 ans, d'accord, que je suis ici, où il y a à peu près une trentaine d'agents qui travaillent dans les bureaux. Juste pour vous présenter, pour me présenter auprès de vous, moi je suis coordinateur séjour, je m'appelle Nicolas. On s'occupe avec Souka, qui est responsable sur le secteur séjour, de l'organisation de tous les séjours sur le service jeunesse, de 12 ans à 17 ans. Il y a des séjours qui s'organisent sur 3 périodes de l'année, sur les périodes d'hiver, les périodes du printemps et les périodes d'été. Je m'appelle David Azoulay et je suis responsable du dispositif CLAP. Ça veut dire Comité Local d'Aide au Projet pour les jeunes nantériens âgés de 16 à 30 ans. Qu'est-ce que c'est ? L'idée est la suivante, on se dit que c'est souvent entre 16 et 30 ans que les jeunes ont plein de projets et qu'ils ont envie de faire plein de choses. L'idée aussi du dispositif, c'est de ne pas être simplement une banque, c'est-à-dire c'est pas un jeune qui vient ici et qui dit voilà, moi j'ai besoin de 800 euros ou 900 euros, donne-moi de l'argent et je m'en vais. Non, l'idée c'est d'essayer de mettre du lien avec les jeunes. La rencontre que j'ai faite avec le CLAP, parce qu'au départ, moi je fais partie d'une compagnie de danse, qui s'appelle Décabelle, qui est basé à Ville-de-Belle dans le 95. Et à cette époque, j'avais besoin de financement pour pouvoir partir à titre individuel. Et au départ, je suis parti voir la mairie tout simplement, et qui par la suite m'a orienté vers le CLAP.